Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo astuce, une petite vidéo tuto. Grâce à iOS 12, on a une toute nouvelle fonctionnalité, une fonctionnalité cachée qui va venir dans notre centre de contrôle. Cette fonctionnalité va fonctionner avec vos AirPods et votre iPhone. Vous allez transformer votre iPhone en un petit espion, mais cela ne va pas servir qu'à transformer votre iPhone en espion. Il va servir pour une certaine catégorie de personnes qui vont vraiment apprécier. Allez, on rentre tout de suite dans le tuto. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, on est actuellement sur l'écran du centre de contrôle. Et pour l'instant, rien n'apparaît au niveau de la fonctionnalité. On va se diriger tout simplement dans réglages. Et une fois dans réglages, on va se diriger sur centre de contrôle. On va ouvrir. Sélectionner. Dans le centre de contrôle, depuis iOS 11, vous savez que on peut mettre ou enlever des fonctionnalités. On peut en rajouter. iOS 12 va nous permettre d'en rajouter une qui est vraiment pas du tout négligeable. On va aller tout en bas de la page. On va se positionner sur le bouton personnaliser les commandes. Personnaliser les commandes. On rentre. Une fois que l'on est rentré dans cette fenêtre, on va aller tout en bas. Autre commande. En tête. Et on va aller sous autre commande. Insérer Apple TV Remote. Bouton. Apple TV Remote. Insérer audition. Bouton. Et nous avons insérer audition. Alors ça, on va l'activer. Insérer audition. Et c'est donc maintenant terminé. On va revenir sur notre écran d'accueil. Réglage. Ici, on va venir dans notre panneau de contrôle. Mode avion. Et vous voyez ici, en bas du panneau de contrôle. Scanner un code QR. Appareils auditifs. Bouton. Plus de commande avec 3D Touch. Appareil auditif. Alors, ce n'est pas une blague. Maintenant, votre iPhone va vous servir de micro et vos AirPods d'appareil auditif. C'est vraiment ultra génial pour les personnes qui ont un petit problème de surdité. Ultra génial si vous laissez traîner votre iPhone dans le salon et que vous êtes dans la chambre et que vous voulez entendre tout ce qui se passe à l'insu des personnes. C'est à ne pas trop conseiller, mais vous pouvez le faire. Dans tous les cas, on va faire un 3D touch sur cette icône. AirPods de Christophe, non connectés. Et tout simplement, on va mettre nos AirPods. Une fois que l'on a mis ces AirPods, on a... AirPods de Christophe non connectés. Et juste dessous, écoute en temps réel. En faisant un appui 3D Touch, écoute en temps réel. On active tout simplement l'écoute en temps réel. Ce qui veut dire que votre iPhone est devenu votre micro et vos AirPods sont devenus des appareils d'écoute, sont devenus en fait une aide auditive aux personnes malentendantes. Alors ça ne va pas remplacer du tout un appareil de professionnel, mais lors d'un repas par exemple avec énormément de monde à une table, vous avez des problèmes d'ouïe, eh bien posez votre iPhone à côté de la personne que vous voulez bien entendre, mettez vos AirPods et là ça va être que du bonheur. Et ça, c'est iOS 12 qui nous le propose. Donc franchement, un grand pas en avant sur l'accessibilité de la déficience auditive ici. Et en plus, vous pouvez faire un petit peu d'espionnage, ça peut être sympa. Merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Likez et partagez comme d'habitude. Allez, à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.